Marquis appartenait à l'Océanique, mais là, il y a un 2 contre 1 pour les Cataractes. Bourque est à gauche. Bourque dans l'enclave verte. Bourque fait des vis, ça touche l'extérieur du filet. La rondelle est reprise par l'Océanique. Une sortie de Paré et c'est plutôt Gay qu'à la rondelle qui est sur l'aile gauche. Passe la rondelle au défenseur en train de tirer le but. Flower fait 1-0 l'Océanique. Oui, mais trois chances de marquer, Claude, coup sur coup. La première, l'Océanique la bousille. La deuxième, sur la relance, les Cataractes à 2 contre 1 ont failli marquer. Son gauche, ça s'aligne peu vers Cormier. Cormier avait mal à partir avec Ennis. Dégagement qui est intercepté. Mais là, les Cataractes en attaque avec Baudouin. Passe à l'autre, c'est le but! Jérémy Martin crée l'égalité. C'est 1-1. Mais quelle séquence spectaculaire de la part de Martin et de Baudouin. Du côté gauche, avant de remettre sur la droite vers Maverick Bourque. Bourque à la ligne bleue adverse applique les freins après l'avoir traversé, passe à Bourque. Bourque tire! Il a touché le poteau, mais l'arbitre signale, c'est le but! Oui! Pas mal convaincu que ce tir-là a touché la cible. Attaque rapide de Paris, accompagné de Nathan Ouellet. Il est entré dans le territoire des Cataractes. Rondelle qui a été envoyée derrière le but des Cats. Jordan Lepage pour chasser par Paris. Ça va à la ligne bleue. Flower qui va d'un tir bloqué par Coulombe. Cherche la rondelle et là, c'est le but. Oh, l'Océanique vient de créer l'égalité, Claude, sur un tir qu'aimerait certainement revoir Antoine Coulombe. C'est un tir du point d'appui qui semblait vraiment pas violent. Il a laissé. Derrière le filet, à Ouellet, retourne la rondelle à Zamkaroni. Il s'avance dans l'enclave. Au centre de Bauduc, bel arrêt d'Antoine Coulombe. Le retour qui est pris par Lafrenière qui est complètement sur les droites. Lafrenière est dans le coin avec Jordan Lepage devant lui. Lafrenière à la ligne bleue vers Béliveau. Retourne la rondelle à Lafrenière. Il s'avance. Un tir et le but. Quel tir d'Alexis Lafrenière. Et l'Océanique reprend l'avance. C'est 3-2. À la pointe droite, remet la rondelle dans le coin vers Bauduc. À la ligne bleue, à Massicotte. Devant le filet, ça a été dévié. On va derrière le but. Paris tente une passe devant. Tire le but. Zachary Bauduc fait 4-2. Quelle passe! En début de deuxième période. Avec un but de toute beauté. Bourgeois dans son territoire pour les Cataractes. Sa passe vers Heinz a été intercepté. Bauduc en échappé. Tire le but. Et c'est 5-2. Et c'est un autre but signé Zach Bauduc. La soirée d'Antoine Coulombe est terminée. On va amener la vallée dans le filet. Le long de la bande, c'est Gay. Passe la rondelle vers Lafrenière. Il revient vers l'enclave. Lafrenière face à Trépanier. Passe à Flower. Flower s'avance. Un tir bloqué en offensive. Ça fait mal à Lepage. Un autre tir. Celui-là également bloqué par Bourgo. Dans l'enclave. Tire. Et là, c'est le but. 6-2. C'est Zabgoroni qui marque le sixième but de son équipe. Passeur Philippe Blanchet. Ça bouge lentement. Lafrenière la sort de là. Passe à Damour à la pointe droite. Ensuite, à Béliveau qui est sur la gauche, s'avance. Passe à Damour, tir qui a été repoussé. Le retour, Lafrenière qui a été poussé. Et un autre tir tenté, Lafrenière du revers. Et là, c'est le but. Alexis Lafrenière qui, à son troisième essai, parvient à pousser cette rondelle. Dans la clave à Bergeron, tir du revers qui a raté au-dessus du but. Bergeron reprend dans le coin sur la droite. Il est pourchassé par Bourgeois. C'est laissé à Gay. Gay sort du coin. Un tir qui a dévié, ça rate le but. Bergeron passe devant, tire le but. Coxed qui avait le filet grand ouvert et fait 8-2 Océanique. Filet grand ouvert parce qu'il était seul dans l'enclave. Incroyable, Claude.